Le nouveau gouvernement, finalement, ce qu'il est dans sa réalité a été résumé par un article paru dans le journal Libération qui dit ce matin la gauche en vitrine, la droite aux affaires. Pour moi, à partir du moment où le Premier ministre est de droite, où le ministre de l'économie est Bruno Le Maire, où le ministre du budget est M. Darmanin, on voit bien que l'orientation de la politique économique va être une orientation libérale, c'est-à-dire toujours plus d'austérité, toujours moins de crédit pour les quartiers défavorisés, comme celui de la Rabière, ici à Joué-les-Tours où nous pouvons, toujours moins de crédit pour les territoires ruraux, moins de crédit pour l'hôpital. C'est ça finalement qui va être la vérité de ce gouvernement. Et je pense que notre mission à nous, c'est d'interpeller les gens pour leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'être contre tout ce que va faire Emmanuel Macron, mais il s'agit d'être vigilant par rapport à cette composante de la politique d'Emmanuel Macron qui risque de faire mal aux couches populaires et moyennes.